Ah, ça c'est le dual rate. Ça c'est le dual rate. T'as dû le diminuer pour pas trop patiner, je pense, dans le sable. C'est là le dual rate. Le premier. Non, t'as un bouton rapide là. Où est-ce qu'il est? Là. Le. Ah, t'es à fond. Mais roule, parce qu'en roulant ça va aller. Ouais, c'est peut-être le sauve-cerveau, tu sais, qui. Ah, moi j'ai pas eu de problème hein, dans la prairie, c'était nickel. Mais la direction, j'avais tout collé. Ça c'était sur toi. Non, j'ai bien entendu le bruit. J'étais bien aplati. Tu vois, parce que quand ça glisse, c'est pas grave pas trop de trop de direction, tu vois. Ouais, Miga, c'était bien et ça te permet d'économiser les batteries. Mais c'est débile, hein, tu peux, avec le 360 kV, on était à 11 200 ou 11 500 tours, un truc comme ça. Ah, mais l'herbe, ça bouffe, hein. Mais le truc, RC49, ils font le DBXL 2 en 12S. Ah ouais? Pour 1399, je crois, ou 1499. Mais ils ont mis le même moteur que j'ai dans le camion, le gros 70-120, mais en 600 kV. Et avec le ZTV Beast d'origine et cerveau plus balèze aussi. Mais après, bon, ouais, moi, le DBXL, ce qui m'emmerde, c'est suspect. Ça c'est le bas de gamme, mais les suspensions sont 10 fois mieux que le DBXL. 10 fois mieux que le Harman Kardon en vitesse. Et j'ai pauvre amorti en plastique. Et là ils font le promo sur le W5 pour la fête des pères, c'est le Shorkers. C'est même châssis que ça, mais une carotte Shorkers, ouais, mais la carole est moche. Par contre, c'est pas le bas de gamme, c'est celui avec tout l'alu déjà. C'est pas le super haut de gamme, mais c'est moyen de gamme. Ouais. Donc quand tu enlèves la partie thermique, ouais. Et quand tu enlèves la carreau, ouais. Tu te retrouves à 890 euros. Après, tu prends la carreau du buggy, tu enlèves les pare-chocs de SC, en cours, et hop, t'es parti. Ouais, parce que j'ai fait les heures pour en acheter deux, là. Ah, je vois. Si, je crois. Ah ouais? Si, il me semble. Bon, après, le système, justement, de monter le moteur brushless MCD, tu laisses tomber, quoi. C'est débile, leur truc. Ouais, ouais, n'importe quoi. T'es dans la cloche d'embrayage, le moteur est suspendu à 5 cm du châssis, t'es obligé d'avoir un moteur de 8000 mètres d'axe, sinon tu rentres rien. Et le pignon le plus petit que tu peux mettre, c'est 18, mais tu le trouves pas, donc t'es obligé de mettre un 19. Et il te livre un 20, tiens. Donc si t'as pas un moteur faible KV, t'es baisé, et les faibles KV, ils ont des axes de 10. Pour ça, là, moi, j'ai mis une clamp, la plaque, parce qu'il te file une plaque pour le support moteur, en fait, où il y a le thermique. J'ai pris cette plaque, je l'ai percée par en dessous, et j'ai mis une clamp. Et j'ai le moteur dessus, sur la direct en bas. Du coup, moi, je peux mettre un pignon de 13 à 21. Je fais ce que je veux. Et je peux mettre un axe de 10, je m'en fous. Et là, j'ai commandé des clamps en Chine pour des moteurs de 70 mm. Donc, je vais voir passer le moteur du camion dedans. J'ai le 460 kV, là, en 70 mm. Bon, après, ça va, parce que t'as juste une plaque en alu à faire au pied, tu vois. Ouais. T'es pas obligé, tu prends même pas le kit électro, alors. Tu fixes tes bacs à batterie toi-même et tu fais une plaque toi-même pour ton moteur. Ouais. Parce que tu veux rouler avec beaucoup de S. Oh, t'as fini de faire les tonneaux toi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il a dû se débrancher, il est resté, les roues sont braquées. T'as fait un schnitt? Yeah! Ah, avec le DBXL, tu fais pas ça, hein? Ah, non. Bon, avec le 2, je sais pas si c'est mieux. Enfin, le châssis, ils ont quand même mis pas mal de renforts. Ils ont modifié le châssis, ou... Non, ils ont mis des renforts. Ils ont modifié les renforts, les bulkheads.
Là tu t'enlèves. Ah ouais, débranché, c'est ce que j'ai dit. Ah, le Mario lui-même il se balade ou quoi? Non, le, la prise. Ah! Après, ce qui est bien avec le bas de gamme, c'est que tu t'en fiches, tu fais pas gaffe. La version 1005, t'as quand même, tu sais, le châssis 70-75 tours. Enfin, c'est déjà du. Il l'a déjà, lui. J'ai un châssis de 4 mm. Il est plus léger, plus fin que le châssis du Crichton 8S. T'as vu ce que j'ai mis dans la tronche? Ah, bah ouais. Ah, lui, il a gardé le casque, là. Tu vois ce que j'avais dit? Il a confondu casque et masque. Oh! Ça, c'était l'arbre. La dernière fois, ça avait coûté un triangle. C'est bon. Ça va, j'ai pris de face. Joli! Moi, ce que j'aime, c'est la maniabilité après, tu vois, malgré la taille. T'es où? Mais... Ah, ouais, mais dans l'autre sens. Das war's rache, hein? Ouais, ouais. Ouais. Ah, super. Et tu vois là avec des 4800, 2.6S48, je fais un petit quart d'heure. Et là comme je suis content des James Bashing 8000 là, je vais peut-être mettre 3 fois 8000 en bashing. Bonjour. C'est un courageux là. Je crois que j'ai tourné la tête au bon moment. Je sais pas, je t'ai peut-être. Ah, ça fait trop longtemps que tu fais de l'avion. Vas-y. Je vais revenir, j'ai des roues qui se desserrent. Oh mince. Ah bah c'est bien ce qu'il voit maintenant avant de la perdre. Ah ouais, bah ouais justement. Je me dis, il y a une roue, il y a pas mal de jeux. En fait t'avais raison, hein, t'as oublié de serrer la corne au final quand même. Mais non, mais je t'avais dit, il faut que tu règles... la direction. Mais oui, j'avais pas mis fini, je t'avais dit, il faut que tu la... Ah ben, fixe dit. Définitif. Tu vas en avoir une autre, tu vas plus vite. Là, il tombe très bien à côté. Vas-y, fais ça. Mais il est content. Il est content, le musicien. C'est cool, hein. C'est débile, hein, la différence de Vmax, hein. Ah ben là, je suis sûr que là, il fait... Voilà, Kenny, il fait... Mais là, ouais, mais là l'herbe haute ça glisse aussi, hein. Tu sais, elle se couche quand t'arrives. Et après tu fous, tu slides ouais, dessus en fait. Hein. Surtout ouais, ces roues elles sont. Ouais. Bah tu veux un AVC papy, c'est ça? Non. Non mais là. Ah mais voilà ce que j'ai oublié de te ramener. J'ai oublié de prendre les roues avec. Je vais donc te filer les roues à crampons quoi. Bon, prochaine fois. Ah, ça va faire la différence. Parce que regarde le MCD comme il s'en sort bien avec les picots là. Ça glisse aussi, mais quand tu mets gaz, ça reprend direct. Hein. Ouais, tu vois, ça va, et d'un coup, oh merde, non mais. Faut doser un peu mieux, mon kiki. Ouais, mais vu qu'il y a des watts à fait quand même, il va tout pas filer. Ah, il est bon. Bon, mon ventilo il veut plus.
Le ventilo vario qui est un problème. Il est complètement secoué. Ils n'avaient pas prévu que quelqu'un ferait des backflips et des frontflips avec un MC en 12. C'est possible. Ah, zob. Ouais, gueule quand tu fais demi-tour. Concentré, concentré. Concentré, tu dois. On veut rouler, ouais. Non, mais on a. Mais tu vois, là, j'ai un bon petit 70 au compteur. Suffit. Ce que je préfère, c'est ça. Faut que j'enlève un peu l'herbe pour les autres. Quand on passera avec les petits tout à l'heure. Ah, elle freine, hein. Ah bon, elle freine. Oh merde. Ah, oh, ça c'est très con. Quoi, t'es descendu? Juste le pied, après la fin du carré. Ah. Oh, l'herbe, ça bouffe de la batterie quand même. Ah ouais, bon, là-bas... C'est bon, t'as vu une brindille bouger, c'est que j'arrive. Car glace répare, car glace remplace, si j'arrive à ce rythme-là. Ah, puis tu vois, tu peux faire le cochon avec ce machin, c'est ça. Le truc, c'est... Mais là, ils ont un peu cher, c'est quand même l'Ozi 5B. Il est bien aussi. Il était plus intéressant que le MCD Ultimate. Parce que le 5B, t'avais toutes les options dessus. Et déjà vendu en 12S aussi. Ouais, il était à 1499. Donc full option et plus 12S. Alors que le Ultimate, il fallait prendre le Ultimate, plus le kit de transfo, ouais. Plus s'équiper toi-même. Mais là, ils en ont plus. Je sais pas s'ils vont pas les refaire. Ça c'est un truc qui m'énerve chez l'Ozi, des fois ils t'arrêtent des séries comme ça et adios quoi. Je vois plus, je vois plus. Là. Je t'entends, je t'entends. Ça va peut-être assouplir la suspecte à l'arrière. Hein. Encore tu vois le bas de gamme, il a 4 amortos de la même longueur MCD. Quand tu prends le Ultimate, t'as une tourelle arrière plus longue et t'as des amortos arrière encore plus longs. Et tu vois la garde au sol que ça me fait déjà là. Ouais c'est ça, c'est quand même pareil. Au moins si t'as 4 amortos pareil, tu t'emmerdes moins. Ouais c'est ça. Ça fait plus de prise de rechange aussi quoi. Vas-y, encore plus de choses. Ouais, c'est le châssis. C'est pour pas trop user les amortos, j'arrête sur le châssis. C'est une solution comme une autre. Bonjour. Les grands gosses. Ouais. Bonjour. T'as vu, il y avait doucement, hein, pas que tu te prennes un petit caillou dans le cul. Un rocher, quoi. Ok, j'ai encore des têtes, ok. Où je suis? Hello. Ouais, c'est vrai que j'ai freiné. Bonjour. J'hésitais, je voulais mettre plein gaz. C'est le freinage étoile. Je voulais mettre plein gaz et j'ai eu un doute. J'ai dit, oh, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Ah ouais, bon là, l'air commence à être abaissé maintenant. Je suis vraiment les images. Ouais, oh, si on revient quelques fois là, plusieurs avec les grosses machines, ça sera vite nouveau. T'as déjà là, comme on a tout aplati là.
Elle est bonne. Oh, je vais accélérer. Oh, mon cerveau il vient de lâcher. Mon cerveau il vient de lâcher. Ah non, c'était une caillasse. Je sais pas, j'ai pris une caillasse apparemment. Ah, elle vient de sauter. Je voulais passer au-dessus. Coupure. Tu vois, un petit quart d'heure tranquille.